السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونفع الأمة وجاهد في الله حق جهاد وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادية الجراعة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الهالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شافري مسلمان encore une fois de plus nous remercions Allah tabarak wa ta'ala Seigneur de l'univers celui qui nous a créé et nous avons l'obligation encore une fois de plus de repartir vers Allah azza wa jalla. Kullu nafsun za'iqatul maut summa ilayna turja'un. Naam, chers frères, pour ceux qui nous suivaient hier, dans ce bel chapitre, Sourate Al-Kahf, on était limité sur ce verset 42. Pour celui qui a été orgueilleux, associateur, pervers, mujrim, méconnaissant vers Dieu, envers le bienfait qu'Allah lui a octroyé, au lieu d'être reconnaissant, il a été méconnaissant au point où il a associé Allah avec son bien. Alors, suite de quoi ce bien, Allah l'a détruit, comme nous allons voir dans ce verset. Bada a'ouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa uhita bi thamari, sa récolte fut détruite. Fa asbah yuqallibu kafayhi, il se mit à tordre les deux mains, ala ma anfaqa fiha, à cause de ce qu'il avait dépensé dans ce champ. Cependant que cette treille était complètement ravagée. C'est alors qu'il dit, malheur à moi, lam ushrik bi rabbi ahada. J'ai souhaité n'avoir associé personne à mon Seigneur. Ça c'est un regret total pour lui. Après qu'Allah détruit ses biens, son champ, à cause de son association. Ici, hier, on a fait beaucoup de commentaires sur ce verset. Mais on est revenu un peu en arrière, c'est pour permettre à ceux qui sont encore nouveaux avec nous de comprendre les versets suivants. Donc ici, ce qui veut dire que si Allah te donne un bien, ne place pas la confiance sur le bien qu'Allah t'a donné, mais toujours faut placer la confiance sur Allah. Naam. Sinon, si tu déloges ta confiance sur Dieu, tu places la confiance sur des maisons qu'Allah t'a données, les champs qu'Allah t'a donnés, les bétails, les terrains, les magasins, les camions. Allah est capable de prendre ce bien et il te rend malheureux. Qu'Allah nous en préserve. Donc Allah dit, suite de quoi? « Walam yakum lahu fi antu yansurunahu min dun Allah » Il n'a pas pu trouver aucun clan pour le secourir hors de Dieu. « Wama kana muntasira » Et il n'a pas pu se secourir lui-même. Donc, les biens, les femmes, les enfants, la richesse qu'il avait, une fois Allah tabarak wa ta'ala a détruit ses biens, sa famille, ses enfants, personne n'a pas pu venir à son secours pour lui aider à lui ramener dans le bonheur qu'il était. Personne.
Wamakan et Montasura. Et lui-même n'a pas pu se secourir. C'est comme ça, il est devenu malheureux seulement. C'est la cause pourquoi Allah dit Khunalik walayatun lillah. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah. Nam wa khayru sawab. C'est Allah qui accorde la meilleure récompense. Wa khayru uqba. Et c'est lui qui accorde le meilleur résultat. Donc ici, vous voyez que Allah confirme. Khunalika walayatun lillah. En l'occurrence, la souveraine protection, hein, ça appartient à qui? À Allah. C'est Allah qui protège. Ça veut dire que si Dieu te protège, toi avec ta richesse, donc vous êtes protégé. Mais si Allah ne te protège pas, tout ce que tu as, c'est comme si tu n'as encore, c'est comme si tu n'as rien. Non. Allah dit, c'est pour cela qu'il dit, ou akhir sawab, c'est lui qui accorde meilleure récompense à ses serviteurs. Si tu es bon, tu es soumis aux ordres d'Allah, tu es pieux, tu crains Allah, tu obéis à Allah, tu as évité l'association, Allah va t'accorder meilleure récompense ici, tout comme meilleure récompense dans l'au-delà, par rapport à ta soumission, par rapport à ton obéissance, par rapport à tes actes, tes activités. Wa khayru uqba, meilleur résultat pour gagner ce qui est meilleur, ce qui est bon, ce qui est en quantité, c'est dans les mains d'Allah, c'est lui qui accorde ça. Donc on doit chercher la richesse, le bonheur, la prospérité auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Si tu cherches chez quelqu'un le bon résultat, lui n'a rien. L'homme, lui, n'a rien. Même s'il te donne aujourd'hui, demain il te donne encore, après demain encore il te donne. Quatrième jour, si tu pars, il va chercher la hache, il t'attend. Mais Allah, lui, nous donne tout le temps. Regarde comment de nuit et jour, nuit et jour, regarde comment ça vient consécutivement, sans arrêt. Si c'était l'être humain qui va nous donner ça, on est mort. Voilà. Allah se fâche même si on ne lui demande pas. Allah Akbar. Hein? Hein? Regarde le sommeil, chacun dort. Regarde la vue. Regarde les oreilles, tu entends. Regarde la langue, tu parles. Regarde les mains, tu soulèves. Donc c'est Allah le donateur. Ah. Je vais vous donner l'exemple d'un grand milliardaire qui a dit à un pauvre, toi désormais, il dit au pauvre, désormais, tu es à ma charge, je t'ai pris en charge. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Mais comme le pauvre est intelligent et puis il est croyant, il dit aux riches, tu m'as pris en charge, tu me vas me donner tout ce que je veux. D'accord, je suis d'accord. Mais moi, ce que je veux de toi, regarde le sable qui est devant ta maison. Si je viens chez toi, tout ce que je veux de toi, je veux que toi-même tu t'accroupis, tu prends le sable là, tu me donnes et puis moi je pars. C'est tout ce que moi je veux. Il dit, toi tu es comment? Le sable. Il dit oui. Moi je ne veux pas l'argent, je ne veux pas la maison, je ne veux pas les camions, je ne veux pas que tu me donnes le magasin, rien. Le sable là qui est devant ta maison, si je viens chaque jour, que je suis venu comme toi, tu peux me faire tout. Et tu m'as demandé de venir. Donc si je viens seulement, accroupis toi-même, tu soulèves le sable. Moi je suis debout, hein, je t'attends. Tu me donnes, moi je pars. Il dit, toi tu es dingue. Il dit, non, c'est ça l'engagement qu'on va établir. Il a dit, c'est ce que tu veux. Il dit, oui, c'est ce que tu veux. Ah! Il dit, bon, j'ai compris. Bismillah. Premier jour, le pauvre est venu. Le riche s'est accroupi, il a pris le sable, il lui donne. Il est parti. Le lendemain, deuxième jour, il est venu. Il a accroupi, il a pris le sable, il a donné, il est parti. Troisième jour, il est venu. Il a accroupi, il a pris le sable, il est venu. Au fur et à mesure, il ne fait que venir. Un jour, le riche dit, mais toi aussi, le sable là, c'est facile. Accroupis-toi-même, tu prends. Il a dit, voilà. Ça, c'est le sable qu'Allah a étalé cadeau.
Voilà, aujourd'hui, tu n'arrives pas à s'accroupir pour me donner. Maintenant, si c'était l'argent, ou les maisons, ou les camions, comment tu vas faire? Voilà. Donc, c'est pour nous dire qu'il n'y a que Allah seul qui est dans ses œuvres consécutivement sans arrêt. Ad-dalil qawluhu ta'ala, kulla yawmin wa huwa fi shan. Regarde comment la nuit vient à son heure sans retard. Le matin vient à son heure sans retard, des milliards d'années. Regarde les avions à l'aéroport, on vous dit venez à 18h. Vous arrivez, on vous dit, l'avion, le vol n'est pas venu. Malgré les blancs, leur effort pour respecter leur programme. Mais des fois, là, les vols, les grands vols même, tu pars, on te dit l'avion est en retard, l'avion n'est pas venu. Mais est-ce qu'un jour, on s'est levé pour dire que le matin, le soleil n'est pas venu? Hein? Takbir. C'est pour cela qu'il dit, huwa khayru sawab. C'est moi, Allah, qui est meilleur pour vous récompenser. Dans les récompenses, je suis meilleur. Oui, les récompenses qu'Allah nous donne. Qui va nous donner ça si ce n'est pas Allah? Ta santé, là. Si tu dis que quelqu'un n'a qu'à te donner la santé, la vue, les narines pour respirer, les oreilles pour entendre, la langue pour parler, les mains pour écrire au tableau pour les élèves, le bic pour écrire, pour corriger, les pieds pour marcher. Mais si c'est l'homme qui va te donner ça, il va te donner ça quand et comment? Ce n'est pas son niveau. Wahair Okuba est meilleur résultat, cherche-le auprès d'Allah. Il ne faut pas aller chercher meilleur résultat chez le marabout. Ah, le marabout là, il est fort. C'est faux, il n'est pas fort. Au contraire, il est faible, plus que même le coton. Va chercher meilleur résultat auprès d'Allah. Qu'Allah nous facilite. Wadrib lahum masalan hayat ad-dunya. Allah dit, cite-les l'exemple de la vie de ce bas monde. Allah Akbar. Allah nous a aimés, hein? Puisque nous, on est attachés, le cœur est attaché à ce dunya. Les grands magasins, les belles pajaros, les belles voitures, les grands semi-remorques, hein, les grands étages, on construit. Tu vas voir quelqu'un, voilà nos milliardaires à Pointe-Noire, ils ne font que payer les terrains, ils ne font que construire. Ils ont construit à gauche, ils ont construit à droite, mais jusqu'à là, ils ne sont pas encore rassasiés. Ils ne sont pas encore satisfaits. Mais ils vont être satisfaits quand? Écoutez un hadith. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لم يملأ فاه إلا بتراب. Le messager d'Allah dit, la bouche de l'homme ne sera plein qu'avec la terre. C'est le prophète qui a dit, la bouche de l'homme ne sera plein qu'avec la terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les wallahi, on a qu'à dire tout Pointe-Noire, c'est pour toi seul. Tout ce qui est dans Pointe-Noire, c'est pour toi seul. Tu vas encore dire, si maintenant on m'ajoute Brazzaville. Ou si on t'ajoute Brazzaville, tu vas dire, ah, voilà encore les maisons de Kinshasa. Tu traverses seulement le fleuve, tu vois. Kinshasa aussi, on n'a qu'à augmenter. Si on te donne encore Kinshasa, tu vas dire Lumumbashi. Mais regarde nos millionnaires. Est-ce que tu as vu ils sont reposés? On a un millionnaire au Gabon. Le terrain seulement dans lequel lui, il a payé pour garer ses camions, le terrain là seulement, il a payé le terrain là à 100 millions. Ça, c'est uniquement pour garer les camions. Mais est-ce qu'il a cherché et il a cessé de chercher l'argent? Non. Chaque fois, il a deux téléphones, un ici, ça parle, hein, il écoute ici. Jusqu'à ça, il a donné la maladie des oreilles. Et il n'y a pas là où il arrive à se soigner cette maladie-là, sauf en France. Chaque fois, il est en France pour aller se soigner. Dunya. C'est ça qu'Allah, tellement nos cœurs sont attachés avec ce dunya, c'est là où Allah nous donne l'exemple. وَدْرِبُ لَهُمْ مَسَلًا حَيَاتِ الدُّنْيَا. Cite-les l'exemple de la vie de ce bas monde. Elle est comparable à quoi?
Kamaï anzalnahu minas samaï. Elle est comparable à l'eau que nous avons fait descendre du ciel. Fa'ahtalata bihi nabatul ard. Après la descente de cette eau du ciel, les végétations de la terre se mélangent à elle. Donc les deux se mélangent. Voilà l'eau au sous-sol, voilà la végétation, les haricots, le riz, l'arachide, n'est-ce pas? Tous les maïs, tout ce que vous avez semé, les plantations, ça se mélange au sous-sol avec l'eau, avec le sable, dans l'ensemble au sous-sol, une fois il y a la pluie. Allah dit à la fin, « Fa'asba hashim » ça devient de l'herbe desséchée. « Tazuruhu riyahu » que le vent disperse. « Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira » Allah a le pouvoir sur toutes choses. Ici, c'est un proverbe qu'Allah nous donne à travers ce verset par rapport à ce dunya que nous aimons. Allah veut que tu comprennes que du fait que tu prends le temps, tu ne fais que chercher à construire, magasin, camion, boutique, société, tous les temps, c'est ça ton souci. Il est en train de te dire par ce verset que ce dunya-là est exemple comme si Allah qui a fait descendre l'eau du ciel, le cultivateur a semé l'haricot, le maïs, l'arachide, maintenant ça a poussé en herbe. Après un temps que le cultivateur a moissonné les grains du maïs, les grains du mil, et maintenant ça reste debout, les tiges seulement, qui ne fait que faner, jusqu'à ça devient sec, jusqu'à même tellement ça devient très faible, le vent vient disperser ça. Donc Allah, à travers ce verset, il est en train de te dire que la construction que tu vois que les gens sont en train de construire là, un jour, ça va devenir quelque chose disparu. Si tu ne comprends pas ce verset, malgré les explications, je te ramène encore dans un autre verset. Kullu man alayha wa yabqa wajhu rabbika zul jalal. C'est ça. Donc il est en train encore, si tu n'as pas encore compris jusqu'à présent, je te donne encore l'exemple. Il est en train de te dire que comme kullu man alayha fan, tout ce qui existe sur la terre va disparaître. Il est en train de te dire que dans ce cas, qu'est-ce qui va rester à Allah? Donc dans ce cas, au lieu que tu te tracasses pour chercher à construire dunya, les maisons, les camions, les magasins, cherche à construire ton tombeau avec le kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, donne-toi plus d'avantages dans l'islam, dans la prière, dans les zakat, dans les nawafl, dans les azkar, dans les subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Donne-toi dans la lecture du Coran. Prends le temps spécial chaque fois que tu lis le Coran. Prends le temps chaque fois quand il y a les... Là où nous prêchons, là. Il y a des gens chaque fois qui m'appellent au téléphone, hein. Tu vas prêcher où? Tu vas prêcher où? Tu vas prêcher... Et puis, c'est pas qu'ils demandent, il va partir. Il y a des gens qui ne dorment pas, ils doivent lire au moins 2 hizb, ou bien 1 hizb, ou bien 50 ayats, ou bien 30 ayats. Il y a des gens qui ne dorment pas, ils doivent faire les azkar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Voilà. Donc, donne le temps plus sur la voie de Dieu, c'est plus meilleur pour toi que de donner le temps sur ce bas monde que tu vas construire. Et même si tu as la chance de gagner, construire, à la fin de fin, ça va disparaître. Allah va ravager ça. N'as-tu pas entendu dans le même chapitre, Allah n'a pas dit « Inna ja'anna ma aliha so'idan durur » Nous allons transformer ce qui est sur la surface de la terre en un sol aride. C'est ça. « Wa inna la ja'iluna ma aliha so'idan durur » Nous allons transformer sa surface en un sol aride. Un sol aride, c'est un sol qui ne peut plus faire pousser les herbes, à plus forte raison tenir les maisons qui sont là-dessus. Ça va disparaître, ça va ravager, ça va tomber. Qu'Allah nous facilite. Regarde, Allah, il sait que les gens ne comprennent pas vite sa parole facilement. Il reprend encore une autre parabole encore. Ça, c'est une parabole.
واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فأحطلت به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. J'ai déjà expliqué ce verset. Regarde encore, il reprend. Al-mal wal-banoun, zinatul hayat al-dunya. C'est encore un autre proverbe qui renforce le premier. C'est pour les lecteurs et les auditeurs qui écoutent le Coran, n'est-ce pas? Tout comme les croyants dans l'ensemble, si le verset là, le premier, tu n'as pas compris, peut-être le deuxième va te servir à comprendre. Ou bien si le premier, tu ne l'avais pas médité bien, peut-être tu vas méditer le deuxième. Ou bien encore, on te prêche. Le prédicateur a parlé du premier verset, qui est une parabole. Peut-être tu n'as pas bien compris. Bon, Allah reprend encore deuxième parabole pour te permettre à comprendre. C'est pour te dire que après la mort, il n'y a pas quelqu'un qui va dire à Allah, on ne m'avait pas expliqué. Ou bien je n'avais pas compris. C'est dans ce sens, Ad-Dalil qawluhu ta'ala, wa la yuzana lahum fayatadhiru. Personne ne leur permettra après la mort de s'excuser. Regarde comment je fatigue dans les explications. C'est à cause de ça qu'on nous amène l'eau. Celui qui est parti amener l'eau, là, je ne lui ai pas demandé l'eau. Mais ils savent, les gens doués d'intelligence savent que quand on prêche, on parle avec la toute rigueur, toute force, là, on a besoin de l'eau. Même les ministres qui font les conférences dans les grands bureaux, pour le dunia seulement, vous ne voyez pas l'eau étalée sur la table. Et puis ce n'est même pas la qualité là. Hein. Les meilleurs encore, Maza, les meilleurs des meilleurs. Celui qui a amené l'eau, qu'Allah lui récompense. Ça m'a facilité, hein? Al-mal ou al-banoun. Allah dit encore une autre parabole. L'argent. Tu as vu toujours l'argent. Là-bas, il avait dit, Jama, j'attire vos attentions. Pardon. Donne-moi ton cœur. Donne-moi tes oreilles. Donne-moi ton esprit. Il ne faut pas être là assis. C'est ton corps qui est ici, mais ton cœur est ailleurs. Regarde là, l'exemple qu'Allah donne. Il avait dit au premier plan, Wadribullahu masalan hayat dunya. Cite-les l'exemple de la vie de ce bas monde. Bon, ici il dit Al-mal wal-banoun. Tu as vu? Il a pris des choses qui sont importantes, paisibles dans les cœurs des gens. C'est à travers ça qu'il attire ton esprit, ton cœur, ta mémoire pour te donner l'exemple. Les choses paisibles dans ton cœur là, auprès d'Allah, c'est rien. Parmi les choses paisibles, dunya, on aime dunya. Parmi les choses paisibles, al-mal, tout le monde aime l'argent. Même les enfants de 3 ans, 4 ans, 6 ans, donne-lui l'argent, tu vas voir. Le lendemain, quand tu viens, papa est venu, papa est venu. Parce qu'il sait que tu lui donnes l'argent. L'enfant de 4 ans, 5 ans. Il y en a même les enfants aujourd'hui, quand tu visites les parents, il y en a même les enfants tellement ils connaissent l'importance de l'argent, c'est eux-mêmes qui mettent la main dans tes poches. Donc éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Nous sommes tombés sur ce passage-là. Parce que tantôt c'est une honte pour le visiteur. Ouais. Tantôt il n'a rien. Mais les enfants ne font que forcer. Tantôt peut-être ce qui est là, les 2000 là, lui il veut sortir, à son retour il va prendre le taxi de 1500. Parce qu'il fait déjà nuit, il ne veut pas les tracasseries des bandits. Et maintenant les enfants ne font que forcer, jusqu'à il va prendre les 2000 là, il donne. Donc éduquons nos enfants, avec tout sérieux. Donc al-mal wal-banoun, l'argent est aimé dans les cœurs. Walbanoun, les enfants sont aimés dans nos cœurs. Si tu veux que l'homme te haïsse tout de suite, va toucher son argent. Si tu veux que l'homme te haïsse tout de suite, va toucher son enfant. Même la poule, si tu s'amuses avec son enfant, elle va sauter et t'enlever l'œil. Avec sa bec là, elle va piquer ton œil, paf! À cause de quoi? À cause de son poussin. Le chat s'amuse avec l'enfant que le chat a fini de faire tout de suite. Va s'amuser avec les enfants là-bas. Combien de fois le lion, les panthères, les tigres, l'éléphant s'amusent à... Ouais! À
À plus forte raison, l'être humain. Voilà l'enfant qui est là. Tu as vu comment papa l'a embrassé. Tu as vu, regarde. Regarde les signes. Ça, c'est un signe de vrai amour. Parce que si je te parle de Coran, tu ne comprends pas. Il faut que je te donne l'exemple exemplaire. Ce que tu vois face à face. Tu as vu? La manière qu'il a embrassé le bébé, l'enfant, c'est comme s'il y a un gros animal qui va venir soulever l'enfant. C'est à cause de ça. Il protège. Jama Takbir. Ah, papa, tu es là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, moi-même, j'aime mon enfant. Toi, tu aimes ton enfant. Et nos papas même nous aiment jusqu'à présent. Wallahi, une maman. Wallahi. Même si son enfant, c'est lui le président de la République. Même si c'est lui premier ministre. Ministre des Affaires étrangères, c'est lui le général de tous les commandos militaires dans un pays. Wallahi, si sa mère est vivante, elle a toujours pitié de lui. Wallahi, si à 24 heures sur 24 heures, son esprit veille sur cet homme. Et pourtant, lui, il est président, il est entouré avec les militaires, les fusils, etc. Mais sa mère le dort. À cause de l'amour intense que Dieu a mis en ce qui concerne l'amour des enfants dans nos... Ah, n'as-tu pas entendu Allah dire « Zi ina linnas fo bouchawat minan nisa »« Wal bani wal kanatir il mukantar minan zahab wal fidda »« Wa khair musawam wal an'am wal hars »« Zalika mata'ul hayati dunya »« Wallahu indahu khusin il ma'a » Regarde comment Allah termine. Que malgré tout l'amour de ces trucs-là que encore j'ai mis dans vos cœurs, qui vous impressionne, qui est paisible dans vos cœurs, Allah dit, laisse, cherche-moi Allah, parce que Wallahu indahu husnul ma'ab. J'ai encore les meilleurs endroits que je vais vous mettre, qui est meilleur, les meilleurs dons que je vais vous donner au paradis, qui est meilleur que vos enfants, qui est meilleur que l'or, qui est meilleur que le diamant, qui est meilleur que tout ce que vous êtes en train de construire, qui est meilleur que vos épouses. Qu'Allah nous facilite. Donc, Jama, cherchons Allah avec toute rigueur. Ne perdons pas le temps. On ne sait pas quand est-ce que la mort va nous prendre. Donc, Al-Mal ou Al-Banoun, Zinat al-Hayat al-Dunya. Allah dit l'argent et les enfants, c'est l'ornement de ce bas monde. Tu as vu comment Allah parle? Il est en train de te dire que celui qui a l'argent et plus des enfants, il est considéré comme quelqu'un qui a l'or. Pourquoi Dieu a pris l'or ici comme un exemple? Parce que l'or, c'est quelque chose de brillant plus que les ampoules. Vrai ou faux? L'or est brillant plus que les ampoules là. Oui. Va dans les grands palais, dans les grandes maisons des riches. Tu vas voir toute grande décoration, c'est à travers l'or, l'eau de l'or là, qu'on décolle sur des trucs. Et puis vraiment, c'est brillant, extraordinaire. Et puis ça coûte cher. Naam. Donc, Allah Azza wa Jal, il est en train de te dire que celui qui a les enfants, plus l'argent, tu es considéré comme quelqu'un qui a l'or, que tout le monde cherche. Parce que l'or est important. Naam. Hein? Le décor. L'or, c'est le décor, c'est vrai. C'est-à-dire le décor. Voilà le décor, les ampoules là, la peinture, les carreaux, c'est ça le décor. Donc l'or, c'est le décor. Tout comme Allah dit, c'est l'ornement, c'est quelque chose de brillant. Quelque chose que l'œil aime regarder, joli, beauté. Le décor, encore une fois de plus, comme le frère a dit. Bon, maintenant, Allah dit, dans l'ensemble encore, malgré qu'il te dit que l'argent, les enfants, ne sont que l'ornement de ce bas monde, le décor de ce bas monde, la beauté, le brillant de ce bas monde. Ah, il dit maintenant, wal baqiyat salihat, khayru inda rabbika sawaba wa khayru amala. Les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur les meilleures récompenses et encore ça suscite meilleure espérance. Tu as vu ce que je te disais? C'est-à-dire, al baqiyat salihat,
les bonnes œuvres qui persistent, les nawafil, les salat al-zuhur, salat al-asr, maghribi, ishaï, les azkar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar wa lillahi alhamd, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamid majid. Les lectures du Coran, les carèmes lundi, jeudi, les sadaqat, les sacrifices. Allah dit, si tu savais, pour prendre le chemin de cette action, ça te procurera encore, in darabik, sawab, meilleure récompense par rapport à celui qui a l'or dans ce bambou, par rapport à celui qui a Pointe-Noire, par rapport à celui qui a Brazzaville, par rapport au brillant de dunya là que les gens cherchent dans la pluie, dans le soleil, dans la nuit. Ah, tout à l'heure, nous, on va rentrer dormir, mais les gardiens, eux, ils sont là, ils surveillent. C'est pas ça, hein? Ils cherchent quoi? L'argent. Toute la journée, il y a ceux qui sont dans l'eau. Ils font quoi? Les pêches, les bateaux vont de pays en pays. Il y a d'autres qui sont dans la forêt. Ils font la chasse. C'est pas ça, hein? On cherche quoi? L'argent. Bon, Allah dit, maintenant, dans l'ensemble, celui qui prend son temps pour chercher à appliquer les subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien il lit le Coran, ou bien il fait les nawafil, ce que tu auras dépasse celui qui est en train de chercher le faux brillant de ce banan. C'est ça qu'il est en train de te dire. Al-mal wal-banoun zinat al-hayat al-dunya. L'argent et les enfants, c'est important. C'est l'or. Donc, il t'a déjà montré que c'est important. Mais maintenant, celui qui va donner son temps à la recherche de Dieu, à la recherche de la comprendre d'un seul hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la recherche, c'est comme là où vous êtes assis. Voilà encore un autre exemple. Les prêches que vous êtes en train d'écouter, wallahi, si les gens savaient la récompense qui vous attend, c'est les milliardaires de Pointe-Noire qui vont être ici assis. Mais malheureusement, les gens ignorent. Voilà, qu'il n'a accès au nas, là il y a le monde. Voilà. Allah a fait fermer ce tuyau-là, c'est Gaïb. Il a caché le bonheur là, personne ne connaît pas. Sauf le Coran qui nous informe. Maintenant, à savoir, le croyant lui va croire. Mais celui qui n'a pas la foi profonde, il dit, ah, c'est lui-même qui parle. Vous ne voyez pas, il parle, vous ne voyez pas lui-même son boubou qu'il a porté. Si c'était vrai, il devrait porter les boubous de diamant, les boubous de l'or. C'est ce qu'il voit. Ah, si tu veux, l'exemple que je te donne sur moi là, ils ont donné ça sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment il est prophète, il est l'homme de Dieu. Ah, est-ce que c'est comme ça qu'il devrait vivre? Jusqu'à ils ont dit quoi? Plein d'exemples hein, sur lui. Waqalu surat az-zukhruf. Waqalu lawla nuzila hadha al-Qur'an ala rajul min al-qaryatayn azim. Faqala azza wa jalla: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'da suhuriyya. وَالرَّحْمَةُ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. الله أكبر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم وأبواب وسرورا عليها يتكئون والزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قريب. الله سلام si on veut expliquer ça là, donc ici là on doit fermer. Ouais, parce que c'est long. Mais on va prendre une partie. Comme je vous dis, ils vont dire, mais lui là, si vraiment ce qu'ils font là, c'est quelque chose de Dieu, c'est quelque chose d'important, pourquoi ils sont dans les bois comme ça, ils n'ont plus de voir, ils ont que des babouches, ils ne sont pas dans les maisons luxueuses. Ah, c'est ça qu'ils ont dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quelque part même, si je laisse ça à la sourate Zuhruf, on prend sourate Furqan,
Ils ont dit, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ طَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنْزٌ. C'est un prophète qui dit ça. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ. Ça, c'est quelle qualité du prophète? Ça, c'est un prophète comme ça, là. يَاكُلُ طَعَامُ. Nous, on mange le mille. Lui aussi, il mange le mille. On mange l'haricot. Il mange l'haricot. On mange les arachides. Lui aussi, c'est l'arachide qu'il mange. On mange le foufou. Il mange le foufou. Voyons chez Philassois, il marche aussi dans les marchés. Nous, on fait le commerce, lui aussi, il fait le commerce. C'est quand un moment de temps, nous aussi, on fait le commerce. Il dit, ah, regarde. Nous, on a ouvert les magasins. Lui aussi, il est parti ouvrir les magasins d'alimentation. Oui. Là, on dit, il est quand si c'était un prophète, on devrait lui faire descendre le trésor d'or. Et là-bas, dans la sourate Zuhruf, ils ont dit, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Si vraiment lui là c'est un prophète messager d'Allah, pourquoi ce Coran n'a pas été descendu sur l'un des grands hauts personnages de l'une de ces deux grandes cités que nous connaissons ici? Oui? Bon, pour mieux comprendre, ils sont en train de dire en français facile que si vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un prophète messager, il reçoit Jibril, alayhi salatu wassalam. Allah lui a élu prophète messager. Ah, donc ce Coran-là, ce n'est pas lui qui méritait de la recevoir. On a deux grandes personnalités de grande fortune ici, dans le territoire saoudien. Parmi les deux-là, un devrait être prophète. C'est ça le sens. وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَزِيمِ. Bon, maintenant, l'un des grands personnages que eux, ils ont, c'est-à-dire, ils ont décidé, ils ont voulu qu'on donne la prophétie, il y a d'abord Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira, il était un grand riche. Parce que même sa richesse, Allah a parlé de sa richesse dans le Coran, qu'il est riche. En kana za malin wa banin. C'est Walid ibn Mughira qu'Allah désigne. Oui, c'est un grand milliardaire. Ah, attends, si le président dit que telle personne est riche, il est riche ou bien il n'est pas riche. Mais là, c'est Allah qui parle de la richesse de Walid ibn Mughira. Donc, ils ont dit, Walid ibn Mughira mérite d'être prophète, mais pas Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, dit, si Dieu ne devrait pas choisir Walid ibn Mughira, mais il y a encore un autre riche, Urwat ibn Mas'ud al-Sakaf, lui résidait à Taïf. Walid ibn Mughira, lui résidait à la Mecque sainte. Mais Urwat ibn Mas'ud al-Sakaf, lui résidait à Taïf. Lui aussi, il est riche, sauvage. Ils ont dit encore, lui aussi, il mérite d'être prophète. Mais pas Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui n'avait rien. Il n'avait rien, mais Allah lui a doté la science, la foi, le Coran, la prophétie. Et c'est la meilleure richesse. Maintenant, Allah leur demande, Walid ibn Mughira, que vous avez choisi, ou bien Urwat ibn Mas'ud al-Sakaf, Ahum yaksimuna rahmat rabbik, est-ce que c'est eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? Demande-le. C'est eux qui distribuent l'air qu'on respire? C'est eux qui font venir le soleil? C'est eux qui distribuent le sommeil? C'est eux qui distribuent la parole de tout le monde? Regarde nos portables là. Si tu ne mets pas les unités, est-ce que tu peux parler avec le portable? Mais sur la langue, tu parles chaque fois, tu fais Allah quoi? Hein? Regarde combien de mots que tu as parlé depuis le matin jusqu'au coucher du... Combien que Dieu t'a taxé? Mais les unités que tu mets là, même si c'est pour 5000, à la fin de fin, ça va? Ça va finir, tu vas encore? Il y a des gens qui ont calculé aujourd'hui, qui ont dit que l'argent que le portable nous bouffe, ça dépasse même ce que nos ventres mangent. Takbir. Mais tu parles tous les temps, tu peux Allah quoi? Hmm? Tu regardes dans la mosquée là. Quand tu fixes l'œil seulement dans la mosquée, tu vois le tapis rouge, tu vois le carreau, tu vois la montre, tu vois ventilateur, tu vois la couleur petit bleu, tu vois la couleur jaune, tu vois l'ampoule, tu vois tout au même moment. Tu payes combien? Mais si tu es malade, tu pars chez le docteur, tu as les problèmes des yeux. C'est payant ou bien c'est pas payant?
Jama'a takbir. Donc c'est ça le rahma de Dieu. Ahum yaksimuna rahmat rabbik, c'est eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur. Alladhi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat ad-dunya. C'est nous qui avons réparti la subsistance entre eux. C'est-à-dire, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat ad-dunya. Ce que tout le monde mange, ce que tout le monde gagne pour mettre dans sa poche, pour construire, pour prendre le transport, pour nourrir ses enfants, pour boire l'eau, pour boire les jus. Ce que chacun va gagner par jour, Allah dit, c'est moi Allah qui distribue ça. C'est ça qu'il dit, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat ad-dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah dit ensuite, nous Allah, nous avons élevé en grade, en valeur les uns sur les autres. Regarde lui là, regarde comment il est gros. Regarde comment moi je suis mince. Même la beauté du visage, c'est pas pareil. Même le teint, c'est pas. Et ensuite, comme il dit, warafana badum fakabadum daradat. Si on va expliquer ça, on va. Regarde l'autre à 10 magasins. Mais l'autre, lui là, que un seul magasin. Mais celui qui a un seul magasin là, lui aussi, il est devant celui qui vend sur la table. C'est vrai ou c'est pas vrai? Celui qui vend sur la table, lui aussi, il est meilleur par rapport à qui? Qui peut donner? Qui peut donner? Par rapport à celui qui est en train de dire, ah, Allah dit, pardon, je cherche la place aussi pour mettre la table. Tu ne vas pas me donner ici, là. Il y a des gens comme ça, mais il n'y a pas. Lui, il circule toute la journée à Pointe-là. Il cherche l'endroit qu'on va lui donner pour mettre quoi? Pour mettre la table pour vendre. Mais toi, tu as déjà la place, plus ta table, plus tes marchandises. Tu es meilleur que lui, mais tu n'es pas meilleur. Jama'a takbir. C'est ça ici. Nous avons élevé en grade, en valeur, les uns sur... Regarde Nyangadou. Il est le seul riche à Pointe-Noire? Non. Mais son nom est plus populaire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais en dehors de lui, il y a des riches. Mais leur nom est caché. Mais pourtant, ils ont l'argent. Mais oui, papa. Quand quelqu'un a déjà 6 étages ici à Pointe-Noire, il est riche ou il n'est pas riche? Il est riche. Parce que la location de ça là seulement, même tes locataires, quand tu dis, ah, Allah dit, il arrive. Chacun a peur. Bon, maintenant, tu ne vas pas dire Alhamdulillah. Donc, Rafa'an Abad ou Fokabadin, Darajat. Bon, Allah dit, si nous avons élevé en grade les uns sur les autres, maintenant la cause de cela c'est quoi? Allah Akbar. Regarde comment le Coran nous enseigne. Uslub al-Quran. Allah dit, la cause c'est quoi? Liyattakhidha ba'dahum ba'da suhuriyya. C'est pourquoi les uns prennent les autres à leur service. Regarde le professeur. Il est là. Ça, c'est quelqu'un qui a fait les études jusqu'à il est professeur. Bon, maintenant, alhamdulillah, mashallah, il est professeur. D'accord. Mais si, est-ce que s'il avait le même titre de ministre de l'éducation, lui va aller enseigner les enfants d'autrui? Hein? Voilà. Ministre de l'éducation, il va aller enseigner. Police qui est sur la route, il va comme ça. Vous voyez ça, non? Ça veut dire quoi? Bon, vous arrêtez d'abord, vous venez traverser. C'est pas ça? Bon, s'il avait le même titre que le ministre de l'Intérieur, lui va aller faire ça dans le soleil. Takbir. Regardez les sages-femmes. Pendant où toi tu dors, eux ils sont à l'hôpital. Ils attendent les femmes qu'on va amener tardivement à minuit, à 2h, à 3h pour l'accouchement. Si elles avaient le même pied égal comme ministre de la Santé, ils vont aller dormir à l'hôpital, ils attendent. Takbir. Regarde pharmacie de gare. Celui qui va rester pharmacie de gare toute la nuit, si lui avait la richesse au même pied égal que le ministre de la Santé, lui va aller rester là-bas la nuit pendant que tout le monde dort. Le cultivateur qui cultive, s'il était riche, lui va aller cultiver. Regarde quand tu amènes les marchandises en conteneur, qui sont ceux qui prennent des charges ça dans le camion. Après encore, il met dans les... Votre truc, coro-coro, ou bien vous appelez ça comment? Pousse-pousse.
Après encore, il m'a dit, wallah, tous les jours, voilà mon frère, tous les temps, je l'ai regardé. Ah! Une seule personne, les bagages qu'il tire, et de où il a quitté, et où il amène la distance, pour lui payer peut-être 2500, 3000, tu vas voir tout le corps, c'est la sueur. Si lui avait les mêmes riches que toi, en ce moment, c'est toi-même qui vas aller tirer tes bagages. C'est pas ça, takbir. Donc, Allah dit, si j'ai élevé les uns sur les autres en valeur, en richesse, en royauté, en beauté, etc., c'est pour permettre aux uns de prendre les autres à leur service. Takbir. L'arachide que tu manges, c'est bon ou bien c'est pas bon? Le riz, c'est bon ou bien c'est pas bon? La salade, la tomate, le piment, le gombo, le nyomboué, c'est bon ou bien c'est pas bon? Mais si Allah allait faire que tout le monde est riche, bon maintenant qui va cultiver tout ça? Hein? Qui va cultiver? Voilà! Regarde les docteurs, les études qu'ils ont faites depuis l'enfance jusqu'à l'université pour connaître que ah, si l'homme a mal au ventre ici, voilà tel médicament qu'on doit lui donner. Si l'homme a mal de maux de tête, voilà tel médicament qu'on doit lui donner. Si l'homme a mal au cou, voilà tel médicament qu'on doit lui donner. Si l'homme a mal aux jambes, voilà tel médicament. À cause de ça, même secteur même de la santé, éducation de santé, c'est secteur différent. Mais s'il était riche, il va faire ça, toute cette souffrance-là. Moi, je connais un riche, il est l'air. Je connais un riche qui a amené son enfant en Arabie Saoudite. Tellement il est riche, lui veut que l'enfant devienne connaisseur pour prêcher. L'enfant, chaque fois qu'on lui amène en Arabie Saoudite, il prend le vol, il revient. On lui amène, il prend le vol. Jusqu'à le père est fatigué, il l'a laissé. Oui! Bon, le frère me fait comprendre, il est l'air. On va limiter. Chers frères, la parole d'Allah, elle est précieuse. Là où je voudrais même qu'on arrive aujourd'hui encore, on n'a même pas encore arrivé. Donc il est l'heure. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.